extrêmement content de faire. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi, Lily Rose? Les vacances! Aujourd'hui, c'est le dernier jour de cours. Voilà, donc aujourd'hui, on a fait exprès d'arriver ultra tôt à l'école. Ah là, ouais, il est 6h30. Il est 6h30 du matin. On n'est jamais arrivé aussi tôt à l'école. Vous voyez, les lumières sont même pas allumées. Ouais. On a déjà installé des petites lumières comme ça derrière la classe. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Alors aujourd'hui, on va faire une surprise au prof. On va faire une surprise pour Monsieur Foufou. Alors vous voyez là, on est tous un peu fatigués. Ouais. Lily Rose, ça se voit qu'elle sort de son lit. Aujourd'hui, elle a dû se doucher à 5h30 du matin. Ah ouais. On s'est levé à 5h, enfin bref. Et on a passé toute la soirée hier à organiser une surprise pour Monsieur Foufou. Ouais. Bon, normalement, il arrive dans 30 minutes. Ah ouais, regardez. Un bouquet de bonbons parce qu'il aime pas les fleurs. On lui a pris un bouquet de fleurs en bonbons parce qu'il est allergique aux fleurs. Et surtout, je pense que vous n'êtes pas prêts les amis. Parce qu'on va... Enfin, levez-vous déjà pour montrer vos magnifiques tenues. Les tenues licorne. Donc on avait les mêmes dans le clip pyjama party que Lily Rose a fait. Voilà. Et regardez ce qu'on a prévu dans le sac. Parce que en fait, on va pas faire une dernière journée normale. Mmh. On a un objectif. En fait, on va pas être très sympa avec le prof. Parce que le prof, toute l'année, il nous a fait des bêtises. Ouais, en gros, il a confisqué des affaires toute l'année à tous les élèves. Il a pourri notre année. Même mes notes et tout. Là. Ouais, Lily Rose, elle a eu 5 de moyenne. Elle a failli redoubler. Enfin, au deuxième trimestre. C'était une catastrophe. Du coup, au début, on va faire la fête. On va en profiter. Mais on va surtout en profiter pour se venger. Ouais. Vas-y, Valentin, ouvre le sac. Allez. Attends. On va montrer tout ce qu'on a préparé aux abonnés. Sur la table du prof. Tiens. Au début, quand le prof va arriver, on va lui faire un cadeau. Ouais. Donc vous allez voir, regardez, c'est ça le cadeau. Une Nintendo Switch. Bon, Lily Rose, il va être content. Elle a pas voulu l'emballer. Mais non, départ, moi je veux pas parce que vraiment, le prof il m'a confisqué en plus ma Switch cette année. Ouais, ouais, il a confisqué la Switch de Lily Rose. Mais vous inquiétez pas, on va vous parler d'un truc tout à l'heure. On va lui offrir ça quand il arrive, le bouquet. Ensuite, la Switch, il va être super content. Il y a ça qu'on va lui offrir. On a pris des bonbons, mais ça, c'est pour la fête. Parce qu'on va lui faire croire qu'on a organisé une fête complète et tout. Ouais. Et voilà. Bon, attends, des bonbons aussi pour la fête. Regardez, est-ce que vous avez déjà vu des fraises Tagada énorme. De cette taille-là? Elles sont XXL. Et ensuite... Il y a ça, là. La potion à ne pas boire. Et voilà, c'est ça. Il verra. Hein. C'est ça le piège. Ouais. Vas-y, est-ce que tu veux expliquer le piège? C'est Lily Rose qui a alors, une idée. Alors, en gros, c'est une boisson où genre on a mis plein de trucs hyper bizarres dedans. Ouais, alors, et en fait, on lui a déjà fait. En fait, on lui a déjà fait plein de fois cette blague et il sait genre toutes les fois en fait c'était genre de l'oasis. Non, en gros, d'habitude quand il y a un anniversaire. On prend des boissons comme voilà des sodas, de l'oasis, du coca, enfin bref, plein de trucs comme ça. Donc on a pris un truc avec une couleur qui ressemble, sauf que dedans c'est de la bave de limace et de la bave de crapaud. Et en gros le but c'est que le prof s'endorme. En gros voilà c'est une boisson piège, c'est une boisson piégée. Et le but c'est qu'il s'endorme. Et qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il sera en train de dormir? On va prendre tous les objets qu'il nous a confisqués. Parce que toute l'année, il nous a confisqué des objets. Et regardez les amis, toute l'année, il les a mis dans ce coffre-fort. Sauf qu'on n'a pas la clé. Du coup, on va profiter qu'il s'endorme. On va récupérer la clé. Enfin, parce qu'il nous a dit qu'en plus, il allait jamais nous les rendre. Donc là... Non, non, mais il a confisqué la Switch de Lily Rose. Un iPhone 9 de Valentin. L'iPhone 9, c'est pas le chiffre. Hein. C'est vraiment, il venait de l'acheter, il a été confisqué. Il a confisqué des bonbons, il a confisqué plein de trucs. Enfin, vous allez voir. On va se venger, voilà. Bon, après, les bonbons, ils datent un peu de septembre. Ouais, donc les bonbons, ils sont peut-être périmés. Mais au moins, on va récupérer l'iPhone et la Switch et les autres trucs. Bon, allez, lève-toi, Lily Rose. Ouais. On va organiser un petit peu toute cette table. Voilà, comme ça, quand il arrive, on lui fait la giga surprise. Et attends, normalement, j'avais prévu, vas-y, ouvre la pochette, j'avais prévu des gobelets et tout. Comme ça, ça fait vraiment pro. Quand il va arriver et qu'il va voir ça, il va se dire oh trop bien mes élèves m'adorent. Ou vas-y on écrit un truc sur le tableau. Oh non. Vas-y si. On écrit un merci. Truc, non non on écrit merci faux, merci faux. Monsieur Foufou pour cette année. Ouais, j'ai les gobelets. Ah voilà les gobelets pour la fameuse boisson. Bon nous il faudra pas qu'on en boive hein, parce que sinon c'est nous qui allons nous endormir, ça va être une catastrophe. Ça on va le cacher sous la table. On le cache sous la table. Hop. Le bouquet. Bon, ça tu peux le garder, le bouquet garde-le dès qu'il arrive on en lui classe. Donnera comme ça en faisant on lui dit ah surprise surprise monsieur Foufou qui êtes si gentil, enfin bref voilà merci pour cette année monsieur Foufou. Donc quand il rentre on l'applaudit et tout. Ah bah oui. Là je veux que ça soit le truc total, la meilleure journée de sa carrière en tant que prof, la meilleure journée de sa vie. Hop, le sac, on le laisse là. Et après ça sera la pire de sa vie. Bah là ça va devenir ça va être la meilleure journée de sa vie et la pire en même temps. Allez, c'est parti. Non non mais serre pas tout de suite, Mais juste pour lui. Bon, non, serre pas tout de suite. D'accord. On attend qu'il rentre. OK. Bon allez, les amis,
Je pense que là, il va pas tarder à rentrer. Bon, on va se cacher sous la table. Ouais. Et dès qu'on entend du bruit, on allume la caméra. Ouais. Et on va vous montrer ça en vidéo. Ça risque d'être de la folie. On est caché, on est au fond de la classe. Là, on est caché. On l'entend arriver dans les couloirs avec ses pas super lourds. Là, on les a entendus pendant un an. On en a marre. Normalement, il va arriver dans les prochaines secondes. Ouais. Là, cachez-vous. Il va allumer les lumières normalement. Ah, c'est bon. Vas-y, à 3, on se lève. Je mets la musique. Attendez, les amis, je prépare la musique. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, go. Monsieur! Oh, mais qu'est-ce que vous faites ici? Pop-it, mania. Tiens, un cadeau, surprise. Regardez. Mais parce que c'est le dernier jour. Et oui, c'est le dernier jour. Et oui. Ouais. Allez, buzz. Merci pour cette année. Et oui, merci pour cette année, monsieur. Je suis très ému. Ouais. Pourtant, je vous en ai fait baver. Vous aimez votre bouquet de fleurs. Oh là là, vous êtes très gentil, vous êtes mes élèves. Et oui, Valentin, le meilleur élève de la classe. Et bah, Lily Rose, il y a des fois où t'étais un peu nul. Regardez ce qu'on a préparé. Oh là là, une fête. Et oui, on a prévu une fête. Pour la fin d'année, oh là 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 là. Regardez. Vous êtes des élèves merveilleux. Regardez, des tagada géants. Mes bonbons préférés. Ça, c'est votre boisson préférée. Je connais pas ça. Mais si, c'est très bon. Bon ben, je vais goûter. Ouais. Et regardez des biberons. Des bonbons, c'est pour faire la fête. Ouais. Bon, j'avais prévu des exercices de maths pour le dernier jour. On y va. Mais bon. Et tenez aussi le Switch. Comment c'est un cadeau? Oui. Oh, le Switch, mon jeu préféré. Le Switch. Oh, vous allez pouvoir jouer. Je vais faire un bisou. Ah, merci. Et Valentin, je te fais un bisou aussi. Et Valentin, pas Valentin, Esteban, on va traquer. J'en ai oublié ton nom. Allez, on traque. Il y a quel jeu dedans? Il y a Mario Kart. Mario Kart, je vais pouvoir m'éclater. C'est pas pour jouer aux cartes. Hein. Tenez, ah bah non, c'est avec une voiture. Allez, on boit tous ensemble. Le verre, ah regardez, ça a l'air délicieux. Ça sent l'orange. Ah oui, prends ton verre, Esteban. Ouais, moi je prends mon verre, allez. Il est plein, Valentin. Ah oui. Tous ensemble. Allez, tous ensemble. Ah bah c'est pas mal. C'est bon. C'est un peu sec, hein, mais délicieux. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ah mais c'est délicieux. Je me sens pas bien. Asseyez-vous, monsieur. On va pas faire d'exercice. Asseyez-vous. On va faire la fête. Vous avez pas de la musique? Oui. Bah on va mettre un peu de musique pour vous endormir. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je vois flou. Ah, vous voyez flou. Oh, Esteban, t'as ton frère jumeau qui est là. Allez, c'est bien. Il a mis du temps à s'endormir. J'ai cru que ça allait jamais arriver. C'est le moment, on y va. Attends, faut récupérer la clé. Elle est où la clé? Mais elle doit être dans sa poche. Oh non. Allez, fouillez ses poches. C'est peut-être dans celle-là avec le stylo. Vous la trouvez ou pas? Non, moi je trouve pas de clé. Parce que là, il va dormir que pendant 10 minutes. Hein. Ah si, je pense que je l'ai. C'est bon, je l'ai. Ah, parfait. Je l'ai. Allez, tous au coffre fort. Bon, attendez. J'espère qu'il a pas trop bu dans le gobelet parce que sinon, il aura du mal à se réveiller. Allez, hop, normalement c'est bon. Attends, prends le coffre. Mais prends le coffre entier. Allez, mets-le sur la table. J'espère qu'il a pas tout ramené chez lui et qu'il y a tout à l'intérieur. Hop, mais tu sais, mais t'es une catastrophe de la nature. L'iPhone de Valentin, la Switch, il y avait quoi? Oh, les albums. Les albums qu'on a écoutés en classe, l'album de Lily Rose disponible partout. Et les bonbons, ils sont périmés depuis le temps. Vous pensez bien que. Bon, les amis, on a tout récupéré.
Monsieur Foufou, évidemment, c'était le pire. C'est, bah, j'en profite tant qu'il est là, ça a été le pire prof de notre vie. En vrai, on a bien rigolé avec lui, on a fait plein de vidéos, mais c'est une catastrophe. On vous souhaite de ne pas l'avoir l'année prochaine et on espère qu'il va prendre sa retraite et qu'il sera plus à l'année prochaine à l'école Foufou. Bon, allez. Non, oui, bah, même dans ses rêves, il met des punitions, vous imaginez. Bon, allez, les amis, nous, en tout cas, on va partir de la classe parce que c'est la fin de l'année. Allez les amis, cliquez sur une autre de nos vidéos, allez voir une autre de nos vidéos, on en a sorti des centaines cette année. À la prochaine, bye peut-être bye. En classe, peut-être ailleurs. Ciao, ciao, ciao. Émission.